Bah les amis, il est pas nouveau vlog, bien sûr, likez et vous abonnez à la chaîne, c'est que vous soyez la belle femme de Mansland, hashtag 43, et oui, direct 43. On continue, on doit avancer le temps sur la série, avancer le temps. En gros, les amis, la dernière fois, on avait acheté l'enstileuse, voilà, qui est très très belle, et d'ailleurs, le hangar commence à avoir trop de place, donc ça sera le nouvel achat d'ailleurs. Au long de cette vidéo, oui, mais maintenant avancer le temps, je pense qu'il faut qu'on commence à récolter. Et maintenant, on a plus de 12 000 euros déjà, on est crack. Est-ce qu'on en est le classe là-bas? Nickel, et ben on va pouvoir avancer directement le temps maintenant. On va peut-être juste donner à manger un petit peu aux moutons. Oh, il n'y a pas beaucoup à manger, j'ai l'impression, pas tant pis. Hein. Il n'y en aura pas beaucoup, je briderai vachement les moutons, ces palettes là. Ok, vous avez bien de manger. Bon, les amis, je vais totalement accélérer le temps, les amis. Et ben les amis. Tout de suite. Ils ont l'air vraiment au moment comment s'il est. Donc les autres, vous voyez, on va pouvoir commencer à récolter le maïs directement, les amis, pour qu'on mette en ensilage. Donc on va directement le faire ensemble, les amis, on va pouvoir préparer la miniature, ce sera la miniature de l'épisode, évidemment. Donc on va pouvoir commencer à récolter tranquillement. Alors les amis, je vais t'en mettre un ouvrier. Alors, déjà, pour mettre les amis, je vais faire directement la miniature. Déjà, comme ça. Ça fait pour le mien. On va peut-être commencer à reculer comme ça. Ok, let's go. Bon, attends, on va faire une petite miniature. Pratique. Faut la miniature quand même. Bon, les amis, la miniature elle vient d'être faite. Ça y est, les amis, let's go. Hop. La miniature faite. Bon, les amis, j'ai fait un cut parce que c'est beaucoup trop long. Donc, c'est dissous là. Alors, let's go, pratique. Je vais me mettre sous le côté. Bon, je joue que le clavier, bon, mais. Et on va lancer directement un nouveau rier. Et voilà, ça fait de la paille hachée, voilà ce que je veux faire. Voilà, donc les amis, je vais être avec l'ouvrier, et l'ouvrier va être en bas, il va récolter, et moi je vais être dans le tracteur pour avancer. J'ai pas mettre trop près de lui parce que... Ah, ça, il y a quand même du roman, les amis, on est 3000 litres là. Ah, ça me manque. Je pense, les amis, les autres gens, ils vont être bien récoltés. Hein. Ça fait plaisir. Par contre, il va devoir s'arrêter. Ah oui, mais... Enfin, il faut qu'on s'achète un silo. C'est combien de silos? Oh, mais il est con, l'ouvrier. Attendez, faut qu'on garde vraiment le prix du silo. Ah, les amis, j'ai tout le monde trouvé. Alors, bah oui, mais il faudrait qu'on prenne celui-là. Il faudrait vraiment qu'on prenne celui-là. Alors, on va mettre où le silo? Ah oui, putain, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Alors, on peut le mettre là. L'endroit, ça va pas trop nous gêner, ça va être là. Bah, il est bien, là. Ouais, il est bien, là. Donc à 26 000 euros. De toute façon, on n'a pas encore, totalement fini, les amis, je commence déjà à récolter. Et on va pouvoir mettre dans le silo pour bâcher pour que ça fasse de l'ensilage. On va en faire d'autres, hein. De toute façon, le silo. On t'avance à mon avis, je crois qu'il n'y a plus d'ouvriers. Hein. Si, mais il y a l'ouvrier, pourquoi il n'y en a pas ce qu'on a. Oh, je suis là. Il est vraiment pour un con. Mais... Ah, voilà.
Bon les amis, j'aurais pas mal de cuts parce que le temps que je cherche, les amis, je vais pas laisser le temps de le rec. Hein. Et bah, franchement les amis, c'est beau. C'est vachement beau. Et bah on va pouvoir directement vider. Tain, les amis, il y a du rendement quoi dans les annonces là. Je pense les amis que les autres rendements, le soja, si on a tellement de rendements, on va voir ça dans l'épisode. J'ai hâte de le voir. Et là on a pas fini d'avancer le temps, parce que normalement j'ai dit qu'on avançait le temps, mais bon. Donc je m'attendais un peu. Ah c'est bateau plein là. Hein. Ah vache. Et bah rien, franchement on va prendre un champ comme ça. Ou après c'est un impro, on peut prendre que ce petit champ. Je vais laisser l'ouvrier faire. Je vais pas le coincer. Ah bon, je suis bateau plein moi déjà. Ok let's go. Ah franchement c'est les sorties derrière une activité que j'ai jamais faite, l'ensilage. Alors là je récolte pas mais on le fait en vidéo et c'est très intéressant. Franchement, en gros une agriculture que j'ai fait très rarement. Mais bon, faut qu'on fasse avec, soit avec un pote, soit faut qu'on aille. Bon, j'attends juste que les amis que je suis plein. Je crois que jamais je vais très vite plein. En réalité. Bon, Louis va devoir s'arrêter parce que tout le monde, malheureusement, je suis plein. Attention, hop. Louis va s'arrêter. Bon, là, ça vite pas partir. Hein. Ça vite pas partir, Damien. Hein. C'est juste que c'est un bug, donc ça réagisse. On a fait 12 minutes, on a fait que ça. On a quasiment la moitié du champ. Putain. Oula. Oh, c'est un peu blanc, ok. Donc, qu'est-ce que ça va dire? On met le clignotant. On va dire qu'on va. Oui, ça va, le sol, il est pas encore trop. Ouais, bon, ça, je mets le champ, je le redirai un petit peu. D'ailleurs, les amis, avant qu'on vide, les amis, on va regarder le rendement. Je suis à 513%. Avant, je crois que j'étais à 50. Hein. Et je crois qu'on avait 50 de base. Alors le tassement. Ah oui c'est vrai les amis, il faudra tasser. On a en marche arrière, c'est ça qu'on avait en marche arrière. Ouais mais on attend remplir le silo là. Hein. Ok, allez let's go. On va tester. Ah bah, et franchement on va quand même remplir un peu le silo. Hein. Bah, on remplira jamais trop mais sans arrêter, je vais pas le bâcher normalement là à l'heure actuelle. Hein. Et pour le bâcher, il faut que je sois à tassement à 3%. Et c'est vrai qu'il faudra acheter. Bon, il y a bien après, je vais mettre un accéléré. Il faudra acheter un compacteur de silo. Oh, mais ça coûte pas trop, trop cher. C'est vrai qu'on n'a pas acheté ça. Mais ouais, mais il faut pas trop large parce que c'est vrai qu'on a un petit silo. Un de chez Feigut, il est pas mal en vrai. Bon, on achètera ça après parce que du coup, on avance encore le temps, les amis. On n'a pas encore financé le temps, on a 26 000 euros. On n'a pas eu l'argent parce que on a acheté un seul d'assaut, les amis. On va ça, les amis. Bon, ça va pas nous gêner. Je pense que le Wii va pas gêner. Hein. En réalité, si je gêne, je retristerai un peu le champ vite fait. Et puis, en tout cas, faut qu'on l'agrandisse un peu, faut qu'on agrandisse vers là-haut le champ. Parce qu'il a un peu, voilà. Mes amis, je te demande un accéléré directement, les amis. Et puis, les amis, à tout de suite. Voilà. Et puis, heureusement, on est seul. Les amis, bon,
On est parti des secondes et regarder est-ce qu'on va avoir plus de rendement? La question qu'on va se poser dans quelques secondes. Ben, je ne crois pas. Ah, je ne crois pas. Que ça. On a un peu plus, c'est pas totalement ça. On a mis qu'une couche. Mais je crois, les amis, il faut fertiliser, mais fertiliser quoi. Ouais, bon, on en a un petit peu plus. Bah, on veut rien. On a un peu plus de rendement. C'est pas ça du tout, hein. C'est un petit peu. C'est un peu plus. On peut se faire quelques litres en plus. Mais... Bon, les amis, on est dans mon bâtiment, on va totalement récolter aujourd'hui. On est dans l'ensilage, on a fait tellement de litres d'ensilage. Alors, l'ensilage, par contre, ça rapporte des litres et des litres. Je pense bien qu'on va peut-être en vendre un petit peu. Parce qu'on va en faire. Là, on va peut-être pas en faire la prochaine récolte, mais tellement le truc, on va en refaire. Mais on a vu, je sais pas si on va en vendre, mais on va peut-être en faire beaucoup. C'est vrai que par contre, enfin, plus qu'un champ, ça serait pas mal. Donc, c'est vrai que. Non, franchement, ça peut être. Bah, ça nous donne un tout petit peu plus de rendement. Hein. Franchement, c'est pas totalement ça. Par rapport au culture et tout, mais je crois qu'on a vu, on a un problème, c'est mon avis, c'est qu'on a pas de fertilisation. Et puis le champ doit être tombé. Et puis là, on se rapproche, mais dans le contraire, il y a plus de rendement. On va être un petit peu plus loin, il y aura un peu plus de rendement, mais. Et on a, je crois que le champ il doit être pompé, mais le problème pour être pompé il faut un rouleau. C'est ce qu'il veut venir. Non, il faut ça. Mais bon, là le problème il faut 160 chevaux. Après les amis on a des modes. Hein. C'est vrai qu'après on a des modes. Ah oui c'est vrai que par contre pour la pour partir de rien par contre ça c'est pas mal. Je crois que j'ai mis les modes pour partir de rien. Mais voilà. Bon ça les amis, on déçoit un petit peu qu'on n'a pas beaucoup plus de rendement. Après les amis je pense qu'il faut qu'on fasse deux couches d'engrais et puis il faut que le champ soit pompé. On va essayer de faire ça. Aussi pour voir si on peut faire un peu plus de rendement, le problème ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc on verra si on le fera. Tant pis, on fera un peu moins de rendement. Du coup, on va pas compter vraiment sur ça pour faire plus de ventes. Hein. Ce qu'il faut vraiment compter, c'est sur les vêtements, sur les moutons et tout. Malheureusement, donc, on va devoir acheter une faneuse et une autre chargeuse parce que ça là est beaucoup trop petite. On va gagner celle-là d'ailleurs. On va peut-être commencer à faire de la paille. Bah non, mais non, on va commencer à faire de la paille là. Je pense que là, cet épisode-là, à cette récolte-là, parce qu'il faut qu'on commence. Donc à mon avis on va acheter un chargeur. Alors acheter un chargeur ça va pas être donné, on a que 50 000 €. On va voir comment on va procéder. Ah non mais on va devoir acheter que la prochaine récolte là. Ah non mais on va avoir besoin de cette récolte là. Ouais mais après on peut vider. Ouais mais... Je sais pas trop comment se passer. Ou soit acheter une presse. Ah c'est une presse, c'est pas donné. Loin de là. Acheter une presse ça me fait chier. Une presse à balle. Si on prend celle-ci. À 22 000 €. Et on achète un peu la cuisine. Et puis, on s'achète une. Il faut qu'on achète ça. Ça serait bien. Le multipack là, c'est fait pour les 120 cm. Oh, on met 14 bottes, hein, on est tranquille. Bon, mais après, il faut quand même un pic. Il faudra quand même un pic. Après, il faudra un pic quand même. Ouais mais la cuisine ça sera bien parce que moi ça met toutes les bottes ensemble. Donc ça sera bien. Ouais on va voir. Donc le multipack par contre c'est vrai que ça va être pas mal les amis. Donc soit on achète une presse à 22 000 €. Puis on se fait des petites bottes. Mais le problème voilà il faudra quand même plus que des petites bottes. Mais bon voilà ça va prendre plus de temps enfin des petites bottes. Donc on va voir, on va se mettre un peu budget. Ou soit on attend prochaine récolte. De toute façon je sais pas comment on va commencer trop les vaches. Pas tout de suite, c'est quoi, Samy, ça va être sûr. Je vais être bien dans un mois, dans 5-6 épisodes. Peut-être voir 7 même.
Donc on va séquencer les vaches un jour. On commencera les vaches les amis, on est épisode 43. On a moyen que vers autour des épisodes 50 on va pouvoir commencer les vaches. Peut-être un peu avant on va essayer. On va essayer de quoi au mois d'octobre les amis. Les vacances d'octobre on fera deux pendant les deux semaines qu'il y aura des vacances, on va faire deux vidéos par semaine. Donc on va reprendre une vidéo par semaine pendant deux semaines, on sortira la vidéo le jeudi ou le mercredi, je sais pas. Mercredi ou jeudi on verra. Donc on sortira des vidéos dessus. Ok. Donc ça sera sympathique. Ça sera sympathique parce que c'est vrai que l'ami voilà, on fait comme ça qu'on vidéo par semaine, c'est sûr que ça avance bien. Bref les amis, pendant les lives, on est en train de paquer le bois. Je pense amis, je pense que peut-être le live prochain, je sais pas quand ça sera, peut-être lundi ou mardi je pense. Soit demain ou après-demain. Voilà. Ok. Et dimanche prochain vidéo sortira un petit peu en retard. Hein, à sortir à 19h. Ok, de 18 parce que on a une nouvelle version Fortnite comme ça on n'aura pas découverte. À sortir à 19h là dimanche prochain. Donc à des bases, il y aura une vidéo mais à sortir un peu plus tard à 19h. Ou soit je vous fais plaisir et je vous la sors samedi matin. Je vais essayer de la sortir samedi soir. Pas samedi matin. Samedi soir, je tournerai samedi matin maximum mais. Samedi soir, la vidéo prochaine s'entend un petit peu courte, mais on va tenter bien samedi soir. Ouais, samedi soir, c'est intéressant. Samedi soir, au moins, parce que dimanche, il y a une version Fortnite, on s'arrête à Daube. Et les amis, gars, d'ailleurs, n'hésitez pas à voir la vidéo qui est sortie tout à l'heure. Hein. Je vais coller son fichier, très important. Donc, ça fait très plaisir. Comme ça. On a fait un peu plus de litres. Non, c'est 1500. Bon, on en fera un petit peu plus. Hein. C'est vrai que ça me déçoit. On fait chier qu'on voilà, va voir pour les prochaines écoles. Bon, les gars, les amis, je viens d'accélérer, les amis, à tout de suite. Bon les amis, tout le monde vient d'être en train de récolter le cosette. Regardez, on a 2000 zoom au montage, 2150 litres. Voilà, ça va pas d'augmenter. Normalement, on fait pas ça normalement. Allez, ça fait quand même plaisir que l'engrais, ça marche quand même un peu. Voilà, ça marche. Je pensais que ça marchait encore un peu plus. Mais franchement, dans le colza, je suis pas déçu. Dans le soja, par exemple, je suis un peu déçu dans le soja parce que bon, on en fait un peu plus. Mais bon, c'est pas très grave. Et je pense que les amis, le grand champ là, on va devoir. On va être bien, je pense, le grand champ là. Donc, quoi, donc ce champ-là, on va l'agrandir. Après, les amis, on coupera derrière la forêt. Parce qu'on va peut-être arrêter d'abattre là, puis on rabattra derrière le côté pour faire un nouveau champ de soja, tu vois, par exemple. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils font les ouvriers là? Ils aussi là, ça, j'aime pas trop ça qu'ils tombent au même moment, j'aime pas trop ça. Donc on va clairement à 2004, ça va faire plaisir. Franchement les amis, on va pouvoir, là je pense amis, niveau production prochaine, on va avoir plus de palettes. Et ça va faire plaisir, au moins on va pouvoir faire de l'argent un peu plus rapidement. Et sinon, amis, ce qu'on va faire, tout quoi, amis, on fera un petit crédit. Voilà, on fera un petit crédit d'emprunt peut-être de 100 000 euros ou peut-être même voire 200 000 euros. Et puis tant pis, on perdra un peu d'argent. On va essayer de faire 200 000 quand même, 200 000 en vrai. On va avoir 500 000 euros. Donc en vrai, parce que les 700 000, il faudra peut-être faire 3 avancements de temps. Que je pense qu'en deux on va pouvoir. Après si on fait un grand emprunt et puis on est tranquille mais enfin, c'est vrai, c'est pour qu'on le rembourse, après les intérêts ça va nous péter. Et franchement on a 2004, bah ça fait plaisir, franchement ça fait 2004. On va continuer encore un petit peu la vidéo. Bah je vais pas mettre l'accès tout de suite amis parce que j'ai envie de voir le blé. On va voir comment on va dès le départ comment ça marche. De base on fait un peu plus de 3000, donc là faut qu'après on fait un troisième champ. D'ailleurs amis, faut qu'après dès qu'on a rejeté les vaches, donc ça fasse du lait, et tout. On va pouvoir acheter après l'usine de fromage et tout. On va pouvoir faire du fromage et tout, ce qui va être complètement intéressant. Bah, ça va être un nouveau truc qu'on va faire dans la série de la plus belle ferme. Après, on va pouvoir attaquer. Moi, j'aimerais bien après attaquer la boulangerie.
Parce qu'après, les amis, vous avez vu. Alors, l'ouvrier. Lui, je vais l'emmener. Alors, lui, le massé, il va les demander. Livrer à moulin à l'huile. Moulin à l'huile, c'est celui-là. Pas de boucle. Démarrer la tâche. Il va tomber les vider. Et maintenant, je vais commencer à récolter. Avec vous, les amis. Tac-tac-tac-tac. Allez, hop, on emmène ça. Let's go. L'ouvrier, bah, oui, ils vont rester là. Hein. Ils ont encore un peu ce champ-là à faire. Vous voyez, c'est vrai qu'ils ont un retard parce que déjà, bah, nous, on fait un champ en plus. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a un champ de décalage. On a un peu plus qu'un champ de décalage, de toute façon. Ça se voit. Et puis on avance pas la même. Par exemple, on roule même pas très vite parce que la motion elle est cassée. Ah oui, alors ça qu'on va compter dedans aussi. Donc voilà. Donc on va essayer d'acheter. Franchement, les vaches, dans 4-5 épisodes, j'aimerais bien qu'on achète l'entrepôt à vaches. Bah, je vais faire directement des vaches bah, juste après. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien. On attaque les vaches très vite. Donc dans 4-5 épisodes, c'est pour ça qu'on fait un peu plus d'emprunt. Tant pis qu'on galère un peu dans la série après. Voilà. Et puis après, on fera pas ça du lait. On va pas faire du fromage. Voilà, puis après. Oui, les amis, il faut qu'on achète aussi une machine à betterave. Et la seconde, on n'est pas prêt de la terminer. Parce qu'après, il faut qu'on fasse les vaches. Après, il faut qu'on fasse la boulangerie, les gâteaux et tout et tout. Ah, ouais, mais ça va pas être très. Ouais. Et puis après, les amis, gars, faut qu'on commence la deuxième ferme aussi. J'ai dit, c'est ok, attendez, au bout du. Allez, t'es bien dans le 60e épisode. Je pense que le 60e épisode, on aura jamais fini. Parce qu'on est on a au 43e. On est dans un tour de 20 épisodes, on aurait terminé la série. Dans un tour de 20. On s'est 17. Mais dans un tour du 65e épisode, on aurait terminé la série. On va pouvoir essayer, mais je pense pas. Hein. Clairement, ça va être trop juste. Surtout qu'on va faire des épisodes par mois. Je pense que la série va durer énormément de temps. J'espère que ça vous plaît toujours cette série. Hein. Vous l'appelez moins que les autres séries. Son partenariat, ça vous plaît. D'ailleurs, partenariat, on avance très très bien dessus. Donc ça fait sans plaisir qu'on avance bien dessus sur partenariat. Hein. Voilà, vous kiffez cette série. Pareil, vous kiffez, moi je la kiffe à la tournée, on avance très vite, on va bientôt finir l'objectif à 25 000 euros dans le prochain épisode, je pense, mais bon, ça sera le cas. Et puis ça sera cool. Au moins les amis, on aura très très bien avancé. Et ça fera extrêmement plaisir qu'on avance bien dans la série. Voilà, puis la plus belle fin, c'est qu'on a galéré. Alors, franchement, pour la saison prochaine, parce qu'il y aura une saison 2, mais ce sera prochain farming, on n'aura pas d'en face pour farming là, vous voyez bien, déjà faut qu'on termine cette saison-là, cette saison 1. Donc il y a une prochaine saison. On essaiera d'améliorer. Et on achète un gros bâtiment. On va pas essayer d'acheter un gros grand bâtiment dès le départ. Ce qui nous a coincé, on aurait pu gagner au moins, je sais pas vous croire, pas mal d'euros en plus. Si on sort sur la même carte. La plus belle fin, j'ai l'impression qu'il faut que ça recroise vraiment sur le 25, qu'on galère un peu, tu vois. Donc ça fera plaisir. Par contre, j'espère qu'ils se coincent pas, c'est bon, là. Donc, ouais. Non mais clairement franchement les amis on a 400 000. Oh, je sais plus comment on fait de base. Je sais pas trop comment on fait. On va. Donc après les amis on va se mettre après 3 champs de blé. Les amis ça va nous niquer un champ de colza. Ça va nous niquer un peu. Ou soit on fait du colza. Au choix. Au choix, au choix. Parce qu'après les amis, gâteau quoi, faut qu'on achète un chargeur pour remettre ça dans la benne. Hein. Ah bah ouais. Ou à 100 fois, non, faut qu'on achète des convoyeurs. Ah ouais. J'aimerais bien acheter des convoyeurs. Des convoyeurs, c'est ça. C'est pas donné. Moi, je préfère qu'on prenne ça. Hein. 5 km/h. Là, c'est pas donné. Oh, mais il est bien celui-là. Ouais, non, mais ouais, on achètera ça, ces trucs-là. Hein. Donc, vous savez, on achètera ça à 14 000 euros. On mettra ça dans la benne en attendant, et puis on inversera. Et ça, on achètera au moment qu'on aura acheté les vaches. Hein. Peut-être un peu avant les vaches. Ouais, puis dès qu'on attaque les vaches, faut qu'on achète des convoyeurs. On n'aura pas le choix. On va peut-être un gros convoyeur. Après, un convoyeur, c'est pas donné, c'est 100 000 euros. On va peut-être acheter un petit, puis on achètera rapidement un œuf. On gardera celui-là parce qu'il sera intéressant. Ça fera plaisir. Allez, à la moisson ça va être galère mon petit gars. Alors je sais pas pourquoi il galère. Et parce que les amis, à l'époque on avait placé un truc de poule. Si vous vous en souvenez, le poule, le poulailler il était là. Au début, on a dû faire peut-être le poulailler plus haut. Hein, de le faire. Bah là il ne dérangerait pas trop parce qu'en vrai les amis on avait gardé pour la ferme et tout. Voilà. Donc on est à 1000 litres. Ah oui, bah non, on fait plus. Je pense qu'on fait plus que. Ouais, on a 1000 litres, on a encore pas fini encore le tour de tour. Hein. Ah ouais, ok. Ouais. Bon les amis, je vais en accélérer les amis, et bah les amis à tout de suite, on se retrouve pour la fin de l'épisode, bah l'épisode ça va être très rapide. Hein, parce que...
Bah les amis, tout le monde, tous mes amis, on est en train de récolter. Bah, on va s'approcher grandement les amis de la fin de la vidéo. On aura fait en réalité 1h50 de rec. Ouais, bah normalement on devrait faire un peu plus. Hein. Je me dis, ouais, on tape les 2h et tout. Ça va être à peu près comme ça, même pas les 2h de rec par vidéo. C'est pour ça qu'on avance un peu moins vite aussi avec la durée. Mais bon, avant on faisait à peu près 2h. Hein. Voilà, on faisait 2h, 2h05. Ça y joue un peu. Donc les amis, en live on fera un petit peu de coupure de bois, mais on fera aussi de la récolte. On avance un peu plus de la récolte. Et puis oui, on va avancer un peu parce que clairement, voilà. Puis, oui, ils vont finir de semer, cultiver et tout. Bon, ils avanceront bien. Et puis, hop. Bah, bon, amis, franchement, les amis, franchement, l'engrais, ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien, tellement bien. Ça récolte bien. Ça, on a fait vraiment 4000 en litres. Voilà. Donc, à mon avis, on va faire quand même un autre champ, mais à mon avis, en plus. Pour récolter ou quoi là? Ah bah. Il dessine. Ah, il y a un point ça. Ah non, j'ai un truc. C'est bon, ça accélère. J'ai pas eu coucher devant la moissonneuse quand même. En plus, elle est cassée, donc c'est pas ça. Donc ouais, on va déjà être à 1000 litres, ça va être bien. Franchement les amis, ça vraiment, on a vraiment du rendement. Enfin, un peu plus de rendement qu'avant parce que bon, les amis, avec l'engrais. Mais ouais, donc franchement avec l'engrais, franchement ça joue quand même l'engrais. Ça vraiment ça joue vraiment la récolte. Hein. Faut pas croire non plus. Ouais, etc. Et là, c'est vrai que les amis, on va directement sauter un champ parce qu'on va passer à l'autre d'à côté. Ah bah oui, c'est vrai qu'on peut être en sauter directement. Ah bah on gagne un champ. Ah bah mais le oui, bah t'es encore plus en retard parce qu'on va sauter un champ. Bah ça nous arrange, hein. C'est vrai qu'on saute un champ, bah oui, mais ouais. On est pas trop mal en fait. Ok, bon allez. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci franchement à un petit pouce bleu. Ah vous avez passé une très très bonne journée, très bonne journée à tous. Ciao tout le monde, à la prochaine, n'hésitez pas à la vidéo qui est sortie tout à l'heure sur les collections de fichiers. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, prochaine vidéo. Demain pour les news Fortnite parce que il est un peu proche à être 3 saison 4. Et puis à mardi pour partir de rien, saison 2, hashtag 4 bye, parce que n'hésitez pas à la regarder. Je suis une bonne soirée, bonne à tous. Ciao tout le monde, à la prochaine. Ciao.